Nicolas, c'est un bon point de prix hein, face à la Gantoise ce soir. Oui, surtout vu la physionomie du match. On a eu une première mi-temps difficile, mais voilà, on s'est arraché, on a tout donné. On a fait un réajustement tactique à la mi-temps. On a un peu flotté pendant 5-10 minutes en deuxième mi-temps, mais on a concédé ce but, c'est dommage, mais on a eu une très très bonne réaction. Et on a eu pas mal d'occasions aussi, c'est ça qui est important, c'est qu'on a eu des occasions. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Moi j'ai adoré les mecs qui se sont arrachés comme ça pendant tout le match. Ils ont donné leur vie et on sait que ça passera par là pour prendre des points parce qu'on n'est que Charleroi et qu'à Charleroi il faut se donner à fond. On a des qualités mais en n'étant pas à 100%, on ne pourrait pas les exprimer comme on voudrait. Donc voilà, on a vraiment fait un match complet dans l'envie. Après, on peut toujours s'améliorer. Ouais, c'est clair, on l'a voulu aller chercher, mais tous ensemble. Ce soir, c'est moi qui ai récompensé, mais j'ai envie de dire que c'est la force de tout le groupe. On a rien lâché, on était malheureusement menés, mais on en a poussé ensemble pour égaliser. Je pense qu'avec un peu plus de réussite, on arrive à mener 2-1, mais voilà, aussi gants, on a eu aussi pas mal d'occasions. Donc je pense que le partage de points ce soir est mérité. Est-ce que le fait d'avoir des attaquants qui sont vos anciens équipiers, c'est un atout en tant que gardien ? Oui et non, parce que ça peut être un atout pour eux aussi, ils me connaissent très bien. Donc voilà, mais j'essaye au maximum d'utiliser mon expérience là-dessus. On connaît les qualités de Khalifa, les qualités physiques, on sait qu'il bouge tout le monde dans la surface. Et Jérémy, c'est un renard, donc voilà, il faut un peu de réussite quand même dans un match pour prendre au moins un point. L'occasion d'ailleurs de Jérémy, je pense qu'il va la louper, on va dire... Zéro fois et il a loupé contre nous parce que ça me permet de revenir, d'essayer de l'enlever le ballon, mais s'il la met directement, je peux rien faire. Donc voilà, il faut un peu de réussite dans un match, mais il faut dire qu'il faut la provoquer, la réussite, et on l'a provoqué avec beaucoup de générosité. Et avec un peu plus de réussite, on aurait peut-être pu gagner. Est-ce que le fait d'avoir joué face à vos anciennes couleurs, ça a joué dans tout cela ? Je sais pas, en tout cas, j'avais vraiment envie de bien prester. Je me sens de mieux en mieux. Voilà, il y a eu un premier match assez compliqué, c'était beaucoup mieux à Moucron et ce soir, voilà, c'est la continuité, je continue à travailler. Je lâcherai rien et voilà, je vais essayer de continuer, de rendre confiance à tout le monde, au staff. La reconnaissance du public aussi, elle est importante ? Bien sûr, voilà, j'ai besoin d'eux forcément. Mais tout le monde, tout joueur a besoin des supporters, donc voilà, ça fait plaisir ce soir.